Vas-y, tu les liquides là. Et voilà. Putain, ça marche pas là. Ils sont tout fins. Allez, bonjour tout le monde, c'est les Chitamen. Salut à tous. Alors, on se retrouve pour cette 10e partie de ce Chita Play sur GTA San Andreas qui va nous occuper tout l'été, puis surtout. Encore du Mont Chiliad. Du Mont Chiliad, et on a récupéré légalement le Maverick, on allait à l'aéroport de San Francisco. Ouais, j'en ai marre. Saute, non. Voilà. Allez, chute libre, voilà. Objectif. Pieds nus, hein. Pieds nus. Oui. Tu utilises pas ton parachute, il faut que tu tombes dans l'eau, donc voilà. Mets-toi en bouteille. On va faire 6G en mode bouteille. De toute façon, je pense qu'il y aura un plat à l'arrivée, je suis pas sûr si ça marche. Retourne-toi, tourne autour comme ça, où tu veux. Ça va se manger la route là, force. C'est énorme, hein. Non, là c'est bon. C'est là, magnifique, tu devrais tomber dans l'eau. Et génial. Normalement, on ne meurt pas dans l'eau. Hein. En vrai, on meurt. Hein. Attention, fais la bouteille. Attention. Voilà, c'est tout magnifique. Va bien. Là, je c'est pense magnifique. Qu'ils aient pris un plat. J'ai pris un plat mais monumental les familles, je pense que là, il peut hurler sa mère, là, c'est bon, il y a une plage ici. On peut récupérer l'hélicoptère qui nous attend. On va le prendre d'ailleurs, on va le carré compriter. Donc vous avez vu le Mont Chiliad dans toute sa splendeur, hein, vraiment depuis les grandes, immenses hauteurs. Hein, oui, parce que là l'hélicoptère on allait au maximum, on allait quasiment à 2 barres, vous avez pu le voir. Le Mont Chiliad est quasiment à 2 barres le pic, hein. Il est juste un peu en dessous, donc vous avez vu qu'on était juste au-dessus, c'est absolument gigantesque. Hein. Il est déjà énorme que le Mont Chiliad, donc voilà, on va récupérer des affaires dedans. Il coule, normalement ça casse les vitres. Hein. C'est que dans GTA 4 que ça casse. Non, non, là oui. Ouais, non, que ça reste, là ça reste. Il reste là, ça va être une épave, un secret. Il y a vraiment, pas beaucoup de fond quand même. Hein. Non, non. Ça sera un secret dans, effectivement, dans GTA SA 2. Allez, sors par la gauche. Allez, on va sortir, on va chercher Dirty Gull et le Dozer là. Voilà, et puis on va continuer l'émission parce que César. Via le Pando là, nous attend dans notre super caravane. Là, il a loué une caravane, donc faut aller voir s'il est plus grande que la mienne. Faut aller voir, on va faire des combats de caravane, on va faire des coups de Pas-de-Calais. Attends, vas-y, fais un 360 autour de notre IG pour qu'on voit à quoi il ressemble aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il ressemble un peu à l'Acme. Exactement. Non, c'est comme ça, c'est photo famille. Ah là. Il n'y a pas le Laka. Il n'y a pas le Laka. Donc voilà, CJ en photo famille, il y a l'Acme comme ça, il est là, il fait. Bah, moi je m'entraîne dans les grottes, tout ça. Donc lui, il en est comme au Pakistan, vous voyez, il est là comme ça, il est content. Et je pense qu'il est prêt à faire son travail. Il y a tellement de parodies avec la T400 dans l'US Bank Tower de Los Angeles. Dans San Firo aussi, on peut bien leur rusher la gueule à San Firo. Après, il fait, oh là, attention, Zozo. Après, c'est un jeu, on fait ce qu'on veut, genre. Boum. C'est pas pour autant qu'on est déséquilibré mental. Bien sûr que si, on est déséquilibré mental, nous, totalement, regardez, comme cette personne là, que je carjack et que je fais, allez, dégage. Ouais, je me rends, voilà. Boum, dans la jambe, voilà. Dans ta hanche en plastique, allez, tout ça pour un vélo. Hein. Mais ça valait le coup, parce que le vélo, c'est plus fort que toi. C'est pour prendre le deagle là. Hop là, le deagle. Allez, c'est parti. Quel changement magnifique. Donc oui, on va souvent aller ici récupérer le deagle, parce que le deagle c'est quand même une très très bonne arme, genre. Vous avez vu qu'elle tue en deux coups, c'est bien. Mais après, non, c'est l'autre baraquement, je crois. T'es sûr? Ah ouais, c'est bon. Mais il me semblait qu'il y avait pas le lui là. Mais ouais. La toupie. Bon, de on va le prendre, hein, vas-y. Hein. Tu veux le prendre? Oui, ben on tâte un peu les véhicules. Allez, on va prendre tout ça. Je pense qu'avec ça, on peut faire pas mal de rush middle. Ou on prend pas mal de violence. Malheureusement, elle tourne, mais on ne peut pas la faire couler. La vider, ouais. Sauf vous verrez une fois. Hop là. Donc là, c'est tout. Comme on a dit, Vice City, il y a des trucs. Hein, je mets un peu plus de son. Voilà. Il y a le dozer, oui. Ouais, j'essaie un peu. Non, pas la. Ce serait marrant de verser du ciment sur la route. Hein, c'est énorme. Allez, c'est travaux publics 2012 simulator là, tu sais. Et voilà. Et voilà. Ben ouais, c'est rond, donc ça roule dessus. Ah mais voilà. Allez petit, vas-y petit. Allez c'est clair. Ouais mais c'est un véhicule de merde, ça. J'aime pas ça. T'as bien failé. Donne-moi ça toi plutôt. Moi je préfère largement ça. Tiens. Voilà, il se laisse pas faire lui. Chaud hein. Chaud, c'est toi un deagle hein. Ils aiment pas trop l'Acme ou quoi ici là. Allez, c'est parti, allez mais voilà, on t'adore, allez vas-y là. Oh vite. Qu'est-ce que tu fais là. Dans la roue dans Nischlag, mais qu'est-ce que tu fais Mémon, t'allais, allez vas-y allez. Voilà là c'est bon, il a rattrapé la roue, je prends le relais. Oh putain. Voilà, allez, je prends le relais, allez, attaque le Contador, allez, terrible. Mais qu'est-ce qu'il fait, Valochon? Et voilà. Allez, Jalabert a pas réussi à le suivre là par contre. Hein. Oh, la moto son de Jalabert, la moto image France Télévisions, t'as fait. Non, maintenant c'est plus Jalabert hein, parce qu'il remplace notre regretté Vignon. Voilà, hop là. Laurent Fignon, ouais. Effectivement. Bah vas-y, on va attaquer la hop mission. Hop là, wouhouhou. Ah, 720 là, non? 720 ultra nos scopes, regardez ça. 384 degrés, un petit chose. Eh hey, salut, je suis un local, je suis né à Angel Pine. J'ai été pas du tout adopté. Non, je suis originaire d'ici. C'est juste que je bronze bien sur la terrasse. Oh là là. Il est pas là. Personne, moi je faisais une joie de lui péter son stand hein.
Bon, on va commencer directement, on fera des conneries un peu, oui, bah, un peu après en fait. Au fil d'émission, ouais. Exactement, on a prévu quelques certaines. Peut-être bon, on était camionneur ou vite fait, on montrait quelques trucs. On avait terminé avec Catilina et surtout notre ami Truth, hein, qui est ouais. Complètement pacifiste, mais qui propose. Mais oui, parce qu'il y a des méchants pacifistes en face. Toutes les drogues du tu monde. Tu veux du DMT, tu veux Tu veux quoi? Tu veux des marijuana? Des champis? Comme ça là. Et là, on va continuer, mais là, ça va être avec Caesar. Je trouve que c'est une mission assez chiante, on va aller voir ça. Alors. Pour pas spoiler, mais on va le dire quand même tout de suite. Il y a le mec de GTA 3 dans. Ouais, c'est ça. Dans ouais. GTA San Andreas. Il y a même plus tard Ken Rosenberg de Vice City. C'est un peu le Ultimate Edition ce GTA San Andreas. Il y a tout, il y a ouais. Tous les clins d'œil. Voilà, je peux vous dire que ma caravane c'est la meilleure quand même. Tu vois, à tous les protagonistes des anciens GTA. Et ça qui est bon quand même. C'est ça qui fait plaisir. On va faire pas mal de missions avec eux. Il y a une course assez chiante contre le mec de GTA 3. Je me rappelle, c'est un pari hein, par oui. Rapport à Catalina. Tout à et fait. On va voir si on réussit ou pas. Si on réussit pas, on vous le prévient, on le fera en off et on comme vous toutes la les courses montage, en fait. Hein. Comme les courses. Mais en même temps, c'est vrai que les courses, c'est un peu faut stressant. Être concentré, on a vraiment, il faut être concentré. Puis on a one shot en vidéo, donc généralement, on n'y arrive pas. Hein, mais bon. Ouais. Au pire, c'est pas grave, on vous la met comme ça. Comme d'habitude, ça vous fait présent, ça vous fait profiter de la radio. Allez, on y va. En tout cas, je défie quiconque. Qui regarde cette vidéo de ne jamais avoir habillé CJ de cette tenue. Ouais, je pense que tout le monde l'a habillé de cette tenue. Si vous n'avez pas fait CJ un adepte extrémiste d'une religion, hein, attention. C'est le jeu sorti en 2004, donc ouais. c'est juste après. Ouais, non, mais on pouvait vraiment tout faire et c'est vraiment marrant parce qu'on fait notamment un gros mec à la classe ou alors un gitan, un pauvre, un torse nu. Un terroriste, hein, carrément. Hein. Et cette cochonnerie de moustache, comme dire d'un Borat. Tu vois, alors que dans GTA 4, on peut. Il n'y avait pas trop de. Bah, Nicole, lui tout seul, est un terroriste. Hein. Oui, mais il n'y avait pas trop de vêtements. Non, non, non. Il y avait. Il y a quand même le survêtement violet de Guy Georges. Des boueurs et tout, mais c'est vrai qu'il n'y a pas trop de choses. Bon, on commence l'émission, tu fais. On commence l'émission, mais je t'attendais, hein, comme on parlait. Tu vois, c'est elle travaille au Colcos et tout. Eh, vas-y, connasse là. Tiens, je te rends ton tracteur. C'est juste pour rouler jusqu'au trottoir. Voilà. Allez, on va voir notre ami Caesar. S'il a une meilleure caravane que nous, on va le savoir tout de suite. Avec notre soeur. Fait que les cinématiques se bossent dehors, bien évidemment, je crois. Roi en exil, c'est par rapport à lui et à son gang qui n'existe plus. Hey Carl. How you doing, sis? This ain't over, man. I did this to take care of my woman. But now I'm gonna head straight back home and I'm gonna cap me some fucking dope dealers. Hey, look, you going to the barrio with that Big Willie bullshit and you gonna get shredded. And I ain't losing you over no macho bullshit. Hey, relax, man. It's gonna get handled when it's time. We already know who the fucking bad guys are, man. Your stinking grocery brother Smoke and those chota pigs Tenpenny and Pulaski. Smoke, he's a pusher, man. No, not Smoke. He might mess with Crash, but he don't mess with no Ye. Come on, CJ, how you think he got that new house, huh? Just let that grow for life bullshit go and take a look around you. Word on the street is twice a week. Smoke sends a car out to San Fierro and the trunk comes back full of white. Shit! I gotta keep my eye on the highway to San Fierro. Maybe I'll see something. Just lay low when I'll be back. Je suis trop jaloux de sa caravane, il a une belle télé à l'intérieur. Je vais lui péter. En tout cas, on a vu quand même que CJ s'était converti. C'est parti. Hello? Where you been, asshole? Why don't you call, eh? Well, I was just about to call you, but... Liar! You've been hanging out with those sticky putas! No. If you just let me... Silence! Get up here! We've got places to rob! Look, I'm in the middle of some shit, right? Bon, t'as la grognasse qui gueule, ouais, on va aller la voir. Changement de mission, hein. Changement de programme, effectivement. Si on n'a pas le choix, il y a que Catalina, genre. En rose, effectivement, il faut y aller. Donc voilà, c'est que l'histoire de la campagne se caractérise par beaucoup d'allers-retours. Bon, moi, ça me gêne pas du tout, hein, mais. Bon, après, on aime la campagne de San Francisco. On aime la conduite, ouais. Et là, c'est celle de LS qu'on va en fait arrêter quand on va à chaque fois. Les premières fois qu'on fait ça, bon, c'est quand même bon, quoi. Voilà, c'est ça, c'est pas non plus des milliards de fois, mais il me semble que c'est. Attends, ah non. Ah si, c'est très long, vous avez vu, c'est là-bas. Ouais. Allez, on y va, c'est pas grave, bien évidemment. Balade tranquille. Balade tranquillement. Je pense que la balade va être d'événements un peu imprévus. Ils sont obligés effectivement que CJ s'est converti. Hein. Ça se voit. Il prêche la bonne parole. C'est très marrant. Non mais on rigole, mais c'est marrant comment on peut lui faire adopter un style. Et même dans la cinématique, ça ressort vraiment comme ça. Hein. On dit, voilà,
Les gars, déjà toi, tu te tais. Oh putain. Ah oui, mais oh, ça rigole pas. Ah mais ça rigole plus là. J'ai pas le temps, ils sont derrière toi, je crois. Oui, ils sont derrière. Oh putain, moi je me casse. J'écoute K-Rose, je me casse. Oh là, l'habileté en moto là. Il tend son pied pour dire merci. Alors fais attention, parce que on a, rappelle, on s'était fait pousser dans l'eau, côté, dans l'eau. Côté droit, donc reste côté gauche cette fois. Exactement, l'habileté commence à, elle commence à monter à force. Ça va, ça va, tout on n'avait ouais. rien du tout quasiment. Je pense que d'ici la fin de ce petit appelé, la vidéo, on aura gagné. On aura fait. Il se gratte les dessous de pieds, il est comme ça. Toujours. Hein. Oh putain. ça tourne et tout. Ah, mais c'est quand même immense. Franchement, on a beau dire, c'est immense. En taille et en qualité, c'est immense. C'est pour ça, la campagne. Ça sert à rien de gueuler par rapport aux rumeurs sur GTA, GTA 5. On n'en sait rien pour l'instant. On a eu un trailer. Non, mais normalement, il n'y aura que LS. Mais on l'a dit, on le répète, nous on est vraiment partisans pour qu'il n'y ait que Los Santos et la campagne. Parce que vu la taille de Los Santos qui s'annonce, voilà, c'est comme la taille par rapport à de GTA 4 par rapport à GTA 3. Au niveau de GTA 3, c'est censé être Staten Island et tout ce qui est un peu là, New York. Et là, on rappelle, on est sur Play 2, on est en 2004. Genre, techniquement, la play là elle est au maximum. Ça clip à mort et on peut plus. Y a pas de chargement. Entre toutes les villes, y a aucun chargement, mais c'est incroyable. Enfin, ça que tu dois. Oh putain. On y va ou pas? Attends, je vais. On tente. On fait une tentative nuque. Hop. Donc il me klaxonne. Il s'arrête. Hop là. On le braque. Non, vise-le. Avec non, le non, mais je le quebrerai là. Hop. Voilà, la tête, c'est bon. Vite. Non mais si c'est bon. Non mais genre tu vois, c'est pour ça. Il faut le tuer et mais rentrer non, mais direct. C'est bête parce que ça s'ouvre normalement. Mais ouais mais. Attends, en mourant il fait je mets les clés sur le comptoir. Ah, je ferme. N'importe quoi. C'est son frère qui nous attendait. Mais vas-y, j'en veux même pas de lui. Je me casse. Ouais. Attends, récupère. Prends ma Sanchez qui était devant. Ouais. Ouais mais. C'est un peu le. Ah, mais c'est normal, c'est tellement prisé les moissons batteuses dans le milieu que voilà, elles sont bien fermées. J'ai une vieille dalle, mais tant mieux. Dans le milieu, on vit dans les grottes, dans le milieu, hein, on lèche les murs, donc c'est bon. Ouais, vous inquiétez pas. Les cailloux, on les lèche, ça fait du sel là. C'est bon, tout, ouais. On fait les silex, mon gars. Ouais, attends, c'est bon, ouais, laisse tomber, quoi, je mange pas. Hop là. Si j'ai là son couteau, c'est tout. Hein, ouais, c'est ça. Tout ce qu'on a fait fast-food, c'est pas halal, c'est pas bon. C'est un mélange de l'information Al-Qaïda et Bear Grylls avec Man. C'est ça, c'est ça. Ça rigole pas ici, quoi. Oh putain. Bon, on voit qu'il est il est pas encore capable de faire du moonwalk. Non, moto, non. Dommage. Il arrive pas à embrayer sur la marche arrière directement. Hein. En tout cas, il est toujours excité pour monter dessus. Allez, zou. Alors Katina, là, c'est une faux folle. Hein. Elle nous domine parce qu'elle est assez. Folle. Assez excentrique. Ouais. Et ses missions sont. C'est une transition, c'est pas extraordinaire, mais ça occupe la campagne de San Francisco. Les missions de braquage sont marrants, ouais. C'est marrant. Après, c'est pas forcément très dur, mais on n'est pas à l'abri, ouais, bien sûr. Pas toujours, c'est pas toujours comme on est simpliste là. Comme un véhicule aussi, c'est vrai que. Bon, faudra qu'on regarde, hein, j'y parle pas, le Palo Alto Catalina, ce qu'on va y squatter maintenant pour faire toutes ces missions. Oui, ben on verra tout à l'heure. On verra tout à l'heure. Bon, dans la cinématique, on ouvrira la carte magique de la mémoire, bien évidemment, hein. On s'en rappellera. Le fichier qu'on a enregistré dans notre tête. C'est ça. Là, c'est un peu pareil, hein. Allez. Ouais, on connaît par cœur. Je profite encore les filles derrière toi là. C'est, ah, mais ça y va ici, hein. Il y a plus de violence qu'à Grand Temps, on dirait pas, mais voilà, mine de rien, ils se défendent, hein, les vieux pecno là, allez. Hop. Bon, attends, je sais plus où c'est au fait. Si, c'est là. Ouais, c'est là. Ouais, c'est ça, devant le pont, c'est ça. Donc elle habite là-bas, en hauteur, dans des chemins tout moisis. C'est combien de fois on a fait les magnifique. Ah, vous avez combien de fois, putain. Hop là. Et normalement, elle a une. On verra après, normalement, elle a une voiture. Ça là, la Buffalo, je crois, non? Ouais. Bon, allez. On peut sauvegarder ici et tout. Hein. On peut sauvegarder ici, effectivement. Moi, je sauvegarderai. Comme ça, si on échoue, on a qu'à charger. Voilà, on sauvegarde, ouais. On a qu'à charger. Comme ça, on sera juste là. Et comme ça, c'est là. Et on trouvera le Gibraltar qui est pas loin. Donc, il y en a tout le temps à chaque fois à côté des points de sauvegarde. Ils ont été assez intelligents, toujours Rockstar, toujours de ce point de vue-là. Allez, c'est parti pour Catalina. First base. Après, first date. First base. Mon dieu, mais qu'est-ce qu'elle veut? Hey, Catalina, baby, it's me, Carl Johnson. Hey, baby, I'm sorry, we got off on the wrong foot. I had a rough time, baby. You know, maybe I was a little harsh. Please forgive me. Come on, baby. Open up the door. Shit. Is she here? I don't see her. Come on, baby. Don't be mad. Baby, please.
Baby, without you, there is no Carl Johnson. Damn, man. Shit. Now, where is the stupid bitch? Here, cabrón. Who's the bitch now, eh? Oh, baby, baby. I'm so sorry, baby. What was that? You so right. Please forgive me, baby. Just don't fucking shoot me, please. Do you think you're sorry? Huh? How are you going to prove you're sorry? Come on now, baby. Come on. I'm gonna play with you so rough, baby. Keep talking. Yeah, yeah. And I'll take you to rob banks and shit. Oh. And, you know, I'll let you kill anyone you want to kill. Mm-hmm. I'm gonna treat you right, baby. Shit. Just, come on. Just please don't shoot Carl, me. I think I love you. Shit, that's great. Cool. Yeah, fantastic. Shit, all that, you wanna go rob some shit, baby? Mm-hmm. Hey, what we got left? Are you stupid? Do you forget already? Allez, donc on voit que CJ en fait elle est complètement tapée. On voit que CJ jouait le petit museau pour, calmer les folies de Katina. Elle nous braquait avec son flingue et nous tue sinon. Et finalement, en fait, Katina elle est complètement in love de super Al-Qaïda CJ. Enfin, elle dit je pense, hein, donc elle est même pas sûre. Elle nous braquait son flingue comme ça. On fait attends, ok, shit, tu m'aimes, merde, fake, ok, super, tu sais pas quoi penser. Allez, on va là ici. Ce premier truc. Ça, c'est le bureau de Paris ici, hein. Parce que j'ai perdu, donc on y va braquer. Voilà, donc contre tous les paris, toutes les attentes en fait, hein, effectivement. Ouah, la traduction Google en direct. You wanna rob a betting shop? Yeah, do you know man enough? Here, Carl. Satchel charges. Where the hell did you get them? Voilà, donc elle rigole pas, enfin les sachets quoi. Les sachets, viens ici. Non, frappe. J'aurais bien mis cette personne-là la voir courir, la faire péter comme. On va faire comme la mission. Comme dans le pays de CJ. On va faire ça après. On va faire ça après. La mission en fin de vidéo. Donc ouais, ils veulent la braquer. Et à chaque fois, les missions sont différentes à fait niveau du braquage. Open the back room door, I'll blow your fucking face off. Leave the panic button or I'll kill your children too. I warned you, you stupid bitch. Stupid fucking bitch. La violence du truc. On voit qu'il s'est pas du tout respecté surtout. Hop là, on fait péter ça, il me semble. Hein. On va se mettre à l'abri. Toi la vieille. On prend ça. On fait péter la vieille comme ça. Voilà, ensuite, hop, trouve le coffre. Et pareil, explosif sur le coffre. Bon. C'est pas très précis. Je pense que ça a marché, non? Voilà. C'est bon. J'ai fait une double pression, j'ai fait péter les 3 joints, c'est bon. De l'oseille. Ok, j'ai la thune, c'est bon, donc voilà, elle est complètement folle, elle fait rien, elle nous insulte, elle tue des gens, quoi. Voilà, quand même tuer une personne, une femme, ouais. Bon, non, mais c'est pas beaucoup, hein. Non, ça va augmenter, je crois. Mais ça va passer à 2 ou 3, là. Ouais. Bah, j'aurais dû prendre sa Buffalo, on aurait été plus là. Du coup, là, avec ta Sanchez, t'as 4 étoiles, t'as un Sanchez, ça va être chaud, michaud. Allez, c'est parti. Oh putain, chaud. Il faut l'open spray, ouais, mais en moto, ça sert à l'open spray. Ah, non, ouais, bien sûr, mais c'est juste qu'en moto, c'est un peu suicidaire, quoi. Attends, je regarde juste où il est, pardon, excusez-moi. Sinon, tu récupères sa Buffalo, mais parce que c'est quand même il au est là. Prochain village, donc c'est chaud. Donc, faut voir les étoiles, quoi. Bon, je vais chercher la Buffalo. Parce qu'en fait, je préfère. Oh, d'accord, il y a un forceur aussi. Non, mais c'est pas très très dur, le problème, c'est juste que. Non, il faut assurer en voiture, parce qu'en voilà. Moto. À 3, 3 déjà, c'est bon, 3. Parce qu'on en perd une naturellement, donc 3. Mais quand même. Ouais, je vais. De toute façon, je vais, te percute pas. Ouais. Bah, c'est voilà, au moins je dis ça. Oh, CJ il assure. CJ il assure un max. Allez, prends la Buffalo, il n'y a pas de flic, c'est bon. Gagne la Buffalo, bitch. Allez, viens vite dans la Buffalo. Keep up. Allez, parce que la Buffalo, moi. On est à la maison quand même. Ouais, c'est ça. On est rentré à la maison. On peut se barrer, mais c'est pas grave. Hein. Attention, il y a de l'eau, donc là on passe tranquille voilà. Par la gauche. Non, c'est pas qu'on fait les flippettes, mais vous savez, les motos, voilà, je veux dire, tu fais péter par les 4x4 et après t'es par terre, ils t'arrêtent, tu vois. Donc oui, c'est directement t'es plié. C'est ce village, je crois, non? Ah non, pardon. C'est le prochain. Tu traverses la Buffalo est assez puissante, c'est une sorte de. C'est une belle voiture, car, c'est une muscle car des années 80, 90. Ouais, plutôt récente pour le jeu, en tout cas, effectivement. Allez à gauche. Hop là. Bon, la mission n'était pas très très compliquée. Non, mais bon, au moins. Je n'ai pas encore eu ça. Faut assurer, quoi. J'ai arrêté, faut pas faire le con, quoi. Attention aux paysans qui peuvent se lever d'être des indices. Collabo, effectivement, ils t'arrêtent. Voilà.
Magnifique, avec du bon K-Rolls. Non mais c'est bien, c'est bien. En tout cas, j'aime bien ce système que tu perds une étoile rapidement, tu vois, à chaque fois. Donc on va sortir pour que ça enlève les étoiles et après on va se garer, on va attendre, ok. Donc voilà, c'est comme toujours, the fuck. Ouais, ils m'ont vu rentrer, mais c'est pas grave. Qui c'est qui sort? Vous êtes comme la même couleur là. Vous avez pas vu un mec voilà, donc t'es un putain de psychopathe, donc voilà. On vous laisse lire. Ouais, bien sûr. Ah, mais en tout cas, c'est marrant parce que Catalina, c'est vraiment une partie spéciale de GTA SA. C'est. Comme on le répète, voilà, là on est plus du tout dans la guerre des gangs. J'ai bien écrasé l'autre. Et ils ont fait une ambiance de fou aussi. Elle est totalement tapée, elle est totalement folle. Enfin, on sait même pas ce qu'elle pense, elle veut tout le temps tuer des gens et braquer, enfin... Ouais, on sait même pas d'où elle sort en fait, c'est l'ami de César, mais... L'ami de César, ouais, donc du coup, après, CJ, il essaie de faire « Oh, please, et tout, baby », et après, il dit que c'est une conne, et comme par hasard, elle arrive à ce moment-là, enfin... Mais voilà, moi j'aime bien ces braquages qu'on fait avec elle, là... Elle est toujours, bon, on sait pas si je vais les loper à tout rien du tout, mais bon, on est en vidéo, on va... C'est pour ça que oui, c'est pour ça que j'ai pris la voiture, tout ça, voilà. Mais il faut vraiment, voilà, essayer de mettre toutes nos chances de côté pour, qu'on aurait pu pour minimiser les risques. En off, je pense qu'on aurait continué en Sanchez pour rigoler. Oui, bon, on aurait fait les fifous. Mais après, ça aurait été peut-être plus drôle pour vous, mais pour nous, ça aurait été prise de tête aussi, donc... C'est un peu plus stressant, quand même, hein, donc voilà ta part. Donc, elle paye pas mal, parce qu'on fait des gros braquages, donc on en fait 5000 peut-être. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est que tu te sauvegardes et tu relances la mission. On va les enchaîner, ces missions avec comme ça on sera libéré après. C'est ça. Pour faire les cons dans l'autre partie de la vidéo. Effectivement, on va essayer de finir ces missions avec elle, ces deux braquages. Après, on verra d'autres choses. Allez, on enchaîne avec Catalina la suite. Hein. Est-ce qu'elle va nous taper cette fois? Gone courting à chaque fois, donc voilà. Et puis après, en fait, c'est bien parce qu'il y a une petite cinématique. Et après, on a le choix. Il reste encore deux à braquer. Hey Catalina, it's Carl. Come on, let's go. We got banks to rob, baby. Come on, let's go. In here, mi amor. Alright, come on, let's go. You get your sorry ass in here right now, Carl Johnson, or I shove a fucking hand grenade up it. Alright, I'm coming. Look, baby, I really need that paper. Oh my God! What in hell's name is that? This, you fucking prick? This is a rack. I'm gonna torture your sorry ass. Please, no. You never write to me. You don't call. You treat me like a fucking whore. Like one of your whores. No, baby, please. I ain't into that shit. I'm gonna fuck you up. Oh, baby, please, no. Please, baby, no. Ow. Hey. Ooh. Ow. Ow. Damn. Oh, shit. Yes. Faster. Harder. Deeper. Oh, yes! 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 Maybe we can go out and rob now? How was it? Different. Si je lui mets un coup de pelle. Je lui ai dit c'était comment? Elle a dit différent. Tu m'étonnes comment il s'est fait soumis. Ouais, il s'est fait tabasser la gueule là. Dominé. Bon, j'ai mis un coup de pelle, elle aime bien. Elle aime ça, elle a ses habitudes un petit peu. Allez, on va aller sur la droite cette fois. Allez, à droite. Allez, c'est parti. Il y a une des deux, si on se rappelle bien, il y a du quad. Et du quad est sur le. Voilà, donc la Buffalo elle est pliée. Non, c'est bon, tu vas faire un autre tour et ça devrait aller. C'est bon, on a eu chaud. Donc, comme d'habitude, on vous laisse lire les sous-titres si vous avez envie de suivre les dialogues entre la les... folie furieuse de Catalina. Les deux personnages. Ils sont attachés, mais c'est horrible, c'est inhumain. Allez, la moto, plus vite au feu rouge. Et voilà. Voilà. Oh putain, c'est pas moi hein. Les affinités. Allez, bah, je fais pareil. Apparemment c'est la coutume ici de rouler sur les motards qui sont sombrés. Donc là c'est donc c'est le liquor store, on va truquer. Ouais. Allez, c'est parti. Pas besoin de dire ce que juste on va jamais rien. Local liquor store. Voilà. Donc vente d'alcool. This place will be a walk in the park. You mean like the last place? Who are these cowboy assholes? Hang back a while, see what's what. We got the cash, let's get out of here. Those maricon bastards have our money. That's my money. Please, stupid motherfucker. Carl, you drive, I'll shoot. Donc voilà, quand on parle du loup, le voici. Je pensais même pas que c'était cette mission, mais tu fais ça là, tant mieux.
le quad. Donc là, il faut les poursuivre. En fait, ils ont fait le braquage à notre place, comme quoi on n'est pas les seuls à braquer les liquor stores locales. C'est ça. Donc là, c'est pas très compliqué. Faut juste faire attention quand même à la conduite du quad qui peut être un peu aléatoire par moment, avec des certaines bosses ou. Oui. Certains, ça, voilà, c'est quand même un 4 roues, donc c'est entre la moto et toujours le pareil, le véhicule 4 roues. Donc là, c'est pas du tout stable du tout. Oui, c'est pas stable. Hein. Malgré les 4 roues, c'est pas du tout stable. C'est moins stable qu'une moto. Exactement. Alors que normalement, ça devrait l'être. Ça devrait l'être, mais c'est qu'il est pas très stable dans ce jeu. Allez. Il faut bien les tacnen. Donc on a suffisamment de munitions, gaspille pas trop, mais dès que t'arrives un peu. Elle m'a dit qu'elle tirait. Elle pourrait commencer à tirer cette grognasse. Ouais, mais c'est vrai qu'on le voit qu'elle a tacnen, c'est vrai. Mais elle tire. Elle tire pas du tout. Elle tire pas. Ouais, il faut rester dans le sentier. Là, la boum. Oh putain, ça serait bon quand même de pouvoir. Putain. À droite. Là. Attends, je me concentre sur le plus loin d'abord. Je me concentre sur. Putain, mais ça conduit tout pourri quoi. Ouais, c'est pour ça, le quad c'est chiant. Et le mec, il s'est planté, mais vas-y, mais. Voilà, voilà c'est meurs. Prends la valise. Prends la mallette. À chaque fois, faut les tuer, faut prendre la mallette, faut repartir. Le quad nous est imposé là, dans cette mission. Pour ceux qui ne le savent pas, aux États-Unis, genre dans les pays nord-américains, la vente d'alcool est exclusive à l'État ou est réservée à certains magasins. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas de vente d'alcool dans les supermarchés ou dans les petites super, dans les magasins lambda. La vente est réservée donc à l'État qui a des magasins dans toutes les villes. Estampillés, qui ont labellisé, qui sont autorisés. Il y a une taxe supplémentaire, c'est pour ça que l'alcool est extrêmement cher. Voilà, bon, ça sent pas trop mal. À Montréal, moi je bois pas d'alcool, mais à Montréal, l'alcool elle coûte presque deux fois, voire trois fois plus cher qu'en France. Sauf qu'en France, c'est déjà quand même pas donné non plus. Hein, Mais bon, voilà, tant pis. Si c'est réservé, monsieur, la loi est appliquée à la lettre, la vente d'alcool aux mineurs est interdite. Bien sûr, même si en France c'est interdit, c'est jamais contrôlé. Dans les petits spars, tu peux aller avec un copain au collège et faire du binge drinking. J'adore ça. Là-bas, c'est pas possible, tu ne peux pas rentrer déjà. C'est ça, le saut, effectivement, c'est là. Tu vas le réussir ou pas ? Kona ! Alors, je sais pas s'il doit rentrer. Shit, bat. S'il doit rentrer chez lui, il y a fail ou il faut le tuer. Ouais, je sais pas. Parce que moi, je sais que j'avais réussi à le tuer, donc très vite. J'avais pas échoué avec cette mission. Mais là, j'ai pas trop échoué, je les ai plutôt bien défoncés, comme les deux premiers. Bon, lui, il prend un peu plus de temps, mais Bon, on va le pécho, je pense. Allez, on passe par là. Fake. Ouais, mais là, tu vas perdre, putain, à mon avis, c'était une mauvaise idée. C'était une très mauvaise idée, mais je crois que ça allait directement là et là. Bon, ah, putain, c'était une très mauvaise idée. Bon, sortez d'ici là. Chercher la partie. Sorte à la clé, quoi. Non, parce que là, à mon avis, tu vas le perdre. T'as coupé le moteur ou quoi, c'est. Mais je pensais que ça communiquait directement. Tu vois qu'il n'y a pas de communication. Ouais. On voit des petits tracés normalement. Alors, vas-y, allez. Qu'est-ce qui t'attend ce con, non ? Il m'attend un peu, peut-être, je sais pas. À droite, à gauche. Hop là. Alors, s'il n'y a pas échec, là, vraiment, on est béni par les dieux de Chitaman. Ouais, peut-être qu'il t'attendait, quoi. Tu t'agodes, attention, on va essayer. Allez, plein gaz, branleur, allez. Alors, fais attention, on récupère les sentiers battus. C'est vrai, c'est que ça rebondit beaucoup. Oui, c'est pour ça, ouais. Il faut tourner pas fort à fou. Non, ouais, pas encore. C'est fou, effectivement. Tu le siffles là. Elle tire pas, jamais elle tire. Elle est connue, c'est mute. Mais je lui mets des coups de pelle, elle va crier, oui, tu vas voir un peu là. Ouais, c'est elle qui va aller sur le cheval. Ça va être autre chose là. Moi je vais attacher, je vais partir, je vais laisser le gars, je vais partir quoi, tu vois, on va rien comprendre là. Putain, j'ai gaspillé 300 balles pour elle quoi. Allez, mes connasses, tu vas te mettre à tirer là. En tout cas, il est sympa, hein, le Schlagito, il nous a attendu alors qu'on était bloqués dans les petites rues. Je vais même pas la rattraper, putain. Allez, là, c'est épique cette course poursuite là, c'est dantesque. Ouais, t'as 40 en plus ou quoi? C'est E.T. Prends sa gueule, prends ça dans ta gueule, enculé. Ah, ça y est, elle commence à tirer là, mais voilà, il va mourir. Ça y est. Eh, on prend pas cette manette là? T'hallucines, on tue le mec qui a même plus d'argent. Il y a des coups de batte qui se perdent. Hein. Ah, je pense que là. Il y a des coups de fusil qui se perdent, franchement là. C'est bon, tu t'appelles, je pense qu'on l'aura amené dans le ruisseau quoi. Chaud, en plus on est à Los Santos là, t'as vu? Regarde. Putain, on est. Ouais, mais carrément. Putain, on est tout à Los Santos quoi. Il y a des coups de carabine qui se perdent, chaud quoi. Attention. Je vais, vous inquiétez pas, Ralph, ils seront rattrapés. Oh putain. Ça va filer. C'est bon. Attends, est-ce que je dois la ramener en. Oui, il faut ramener. Ah, donc j'ai pas besoin du quad en fait, donc on va changer de voiture. Oh merde. Non, roule pas dessus. Je sais qu'elle était morte. T'es vraiment un sac à foutre. Bon, allez, on va. Parce que là, il y a les Aztecas. Hein. Ouais, c'est ça, les Vagos, je pense plutôt. Ils vont la tuer. Bah, je la laisse hein, s'ils veulent la tuer, pas de problème. Voilà. Bon, prends une voiture. Donne-moi une bagnole là, je déteste ce quad là. Voilà. Allez, donne-moi ça, allez, je t'en là. Allez, vite, parce que là, il va la revouloir, sa bagnole, là. Ouais, c'est bon. Voilà, tornado. Technique. Oh, il me tire dessus, Et j'ai acheté pas mal de Uzi après. En fait, t'as une roue crevée, hein.
Non? Même pas, pourtant il y avait des étincelles. Hein. Ah ouais, bizarre. Peut-être que Catalina l'a changé très rapidement. Très forte. Donc alors, on a fait tout le tour de la campagne. Moi je suis content parce qu'il me semble que c'était un peu chiant avec le quad comme ça, tu vois. Mais bon, ça mais va. Moi je pensais que t'allais avoir échec parce que tu étais trop loin et finalement non. Ça va. En même temps, j'ai réussi à avoir les deux premiers assez rapidement, mais c'est chiant parce que tu les écartes. Non, mais t'aurais pas dû prendre l'espèce de temps de raccourci qui existait. Mais bon, heureusement que c'est assez permissif. Vous voyez, GTA c'est assez permissif et heureusement. Attention, Catalina, moi je fais du off-road. C'est ça qui fait le succès aussi de GTA, c'est que les missions sont d'une difficulté assez moyenne, progressive et du coup c'est pas trop prise de tête. En fait, c'est ça qui touche. Donc, contrairement à des jeux comme Driver 3 où la difficulté en est ridicule et absurde de difficulté. Alors c'est bon. Attends, pardon, on va passer par derrière plutôt la voie là. Hop là, non, c'est que Driver 3 là, dans la mission, c'était à Istanbul, hein, c'est une horreur. La moto et tout, c'est une catastrophe. On fera sûrement le jeu un jour en présentation pour vous rappeler quelle souffrance on avait vu. Ce qui est un mauvais jeu. Ouais, c'est vrai que ce jeu on l'avait attendu quand même, Driver 3. Parce que, bah, ils avaient fait le site là, je me rappellerai toujours. Moi, tout le temps simuler les dégâts là. Les voitures et tout. Avec la souris, on simulait les dégâts et j'avais jamais vu un jeu, et même j'ai encore jamais vu un jeu, je pense, avec des dégâts aussi poussés. Hein. Burnout est pas très mal, et assez bien dans ce domaine là, mais c'est vrai que Driver avait apporté un moteur graphique. Driver 3 était excellent au niveau des dégâts. Mais bon, le reste c'était. Une fois manette en main, c'est risible. C'était du non-dit. Déjà, rien que tu montes sur la moto au début, les 50 minutes de jeu, déjà, t'avais même plus envie de jouer au jeu, en fait. Eh bien, Tornado. Voilà, Tornado, quoi. Voilà. Voilà. Là, on va la rendre au wagon, c'est quand t'as bien, tu viens, on va la rendre. Bon, allez, tiens, viens, finis à pied, espèce de grognasse, là, parce que franchement, tu me fais chier. Allez, avec la mine, on monte comme ça, les pentes. Hein. T'as joué un vélo, ça passait, hein. Ah bah, tranquille. Tu l'abandonnes, je crois, non? Non. Donc entre temps, on va aller acheter du Uzi. Il y a un mission au village d'en bas là. J'attends qu'elle arrive. On va sauvegarder quand même. Voilà. Carl, you have much to learn about the female heart. Come and see me again when you think you understand it. Goodbye. Alors le silence est très très pesant. De ne pas rentrer dans le cercle. Attends, je vais d'abord acheter du Uzi et je sauvegarderai avant de faire la mission. Il y a bon, là, t'as qu'à en acheter 500. Oui, je vais en acheter pas mal, effectivement. On a de l'oseille. Elle donne que 1000, tu sais. On fait des gros braquages. Putain, mais elle partage pas, c'est incroyable. C'est ça. C'est chaud, hein. Parce que je peux dire que quand on a volé la citerne d'essence là, même pas pour 1000 euros. Hein. Non, c'est ça. Non. Bon, même si, bon, dans les années 90, avec l'essence. Et puis le bookmaker, il y avait que 2000 comme ça. Bitch. Allez, la Buffalo, c'est pas moi qui paye. Il y a personne dans les buffons, c'est bon. Ah, je vais. Ah, j'écoute Tennessee, tu vois, là, c'est parti quoi. Attends, il est là. Il est là, non, il y a un munition pas loin là. Il est où? Je l'ai vu tout à l'heure. Il est à droite là. Ok, donc on y va derrière. Et là, c'est bon. Tu vois, j'y étais sur la route, hein, sans le savoir. Allez, c'est parti la Buffalo. Ah, qu'est-ce que c'est bien, mais la population locale, ça fait vraiment un jeu à part, franchement. C'est, là, ça fait un autre GTA. Hein. Ça fait un autre GTA, mais c'est vrai, c'est vraiment énorme, il faut le dire que. Bon, après, ils ont développé la campagne autant que. Autant que SF, après, c'est pas trop des paysans, mais Los Venturas, c'est vraiment des paysans quand même. Los Vegas. Oui. Tu sais, genre, quand tu compares Los Santos avec SF, tu sais, c'est à peu près pareil. Ouais. Mais quand tu vois la Ventura, c'est quand même différent. Ah, ils ont bien insisté sur le fait qu'effectivement, c'est partie de notre état, c'est le Nevada. Donc, c'est-à-dire qu'on voit le désert et d'un coup, il y a de l'eau. Bonasse. Et d'un coup, il y a de l'eau et clac, il y a des casinos. Quoi. Et c'est vraiment très très bien rendu dans ce jeu. Hop là. On peut péter une pizza aussi. Allez, attention, on écoute. Hey, what's happening? Why you so cheery? You thought I was one of your cheap horse? Baby, you gotta chill the fuck out and. I chill out when you get here. You better hope I don't make testicle kebabs when you arrive. Look, yeah, this ain't no. No more talk. Get your ass up here now. Donc elle m'engueule et me dit de venir alors que je pouvais déjà y aller en fait. Je suis dégoûté, j'aimerais bien avoir une paille comme ils ont là dans la bouche. Ouais, mais on peut pas l'avoir ce morceau de pis de blé ou. J'aurais acheté le DLC 10€ la paille. Hein. Chaud, je pense qu'on l'aurait acheté. La paille dans la bouche, le CJ quoi. Allez, la munition, qu'est-ce qu'il a lui à nous proposer? Donc l'autre halo, c'est pour s'entraîner. On vous montrera un jour ce que c'est. Allez, le truc là, le Mac 10, le pistolet mitrailleur. Regarde ce qu'il y a pas le AK dans ce store parce que. Il n'y a pas écrit fusil d'assaut encore, donc on l'a pas encore débloqué. Non, mais en fait, ça se débloque en fait, donc on l'a pas encore débloqué. Allez, 500, voilà. De toute façon, faut claquer l'osé parce qu'on va pas se servir pour acheter des propriétés. Ça ira. Non, on n'achètera pas de propriétés. On ira tuer des dealers entre temps aussi, donc il n'y a pas fusil d'assaut, tu vois encore. Ok. Hop là, c'est parce qu'on a débloqué en mission, tu vois là j'ai débloqué ça en mission. T'es avec ça chaud hein. Il a pas peur lui hein. Il prend la douille. Il a pas peur lui, mais il a la chance que je compte mes balles.
Ouais, ça coûte cher. C'est Oussama qui me les donne, il n'a plus beaucoup le pauvre, donc on les compte, hein. Allez, encore. Catalina, sûrement, non? Hey, Holmes, I've been busy. Caesar, what's up? I can smell nitrous oxide from a mile off. Racing, my friend. Cars, not beautiful cars, but fast, man, fast. What are you talking about? Street racers from San Pietro. They meet out here to tear up the blacktop. No chota, no chota choppers. You want to make some money? Does the Pope shit in the woods? Why you keep asking me that, Holmes? I told you, I don't know. What the Holiness does his business is his business. Just get a fast car and meet me in Kendall just south of Montgomery. See you, man. Il comprend pas pourquoi on lui demande est-ce que le pape chie dans les bois. Est-ce que le pape protège les pédophiles? C'est une Cartman qui dit ça. Dixit Cartman. C'est fabuleux, effectivement. Donc voilà, César qui enlève met... le repère. Ouais, ça, voilà. Ça cache le logo. Ah, donc, attends, mais il n'y a pas Catalina non plus? Clac. Si, on va aller voir Catalina. On fera la course avec César, la fin de cette partie, je pense. En off, bon. Fake, parce qu'ils vont pas réussir. Hein. Ou alors t'essaieras la première prise directement, on essaiera, mais bon. Verrai, ouais. C'est assez chiant. Il y en a deux. Voiture, mais la Buffalo est pas trop mal comme voiture. Il y a deux courses, il me semble d'ailleurs. Hein. Attends, hop là. Donc, mais c'est marrant parce que tu sais, on devait aller voir les dealers du Big Smoke en fait avant qu'elle nous appelle. Mais finalement, ça a été croisé et interrompu par Catalina. Voilà, mais elle est bien cette Buffalo. Faudra elle la prendre pas mal, pour la course. Pour la course, on peut la taper. Il me semble qu'il y a deux. Je sais pas s'il y a entre une et trois courses, donc je sais plus combien, on verra. Non, une bonne idée, pas plus que deux. Ah, pas plus que deux, je pense, effectivement. Une après, pour nous introduire au garage de SF. On aura bientôt fini la campagne, il me semble. Oui, je te dis. Il y avait encore quelques missions, mais. Attention! Et voilà. C'est le fait de carrosse. Ne pas regarder à droite quand on est motard alors qu'on roule à côté d'un champ. Enfin, moi, ça me semble évident qu'une voiture va arriver. Tu vois, c'est comme les traversées de biche, moi d'un paro. Traversées de buffalo sauvage. Ouais, surtout que le buffalo, c'est un animal. Exactement. Attention. Sauvegarde ? On n'a pas sauvegardé. Ouais, je vais sauvegarder. Hop là, Catalina. Il y a ces anciennes. Une cheval ici. C'est vrai ? Ouais, à gauche. Là. Ah oui, effectivement, là-bas. Là, c'est ses anciennes Buffalo. C'est Walton. En fait, c'est son ancien amant, c'est un Walton. Hein. Voilà, il a fini comme ça, le gars. Il a fini comme ça, rouillé. CJ, fasse gaffe. Fasse gaffe, pas se rouiller, CJ. Hein. Allez, on save. Alors, on le fait pas d'habitude entre chaque mission, mais bon, là. Ouais, Catalina, on fait attention. Ouais, et après, on essaiera d'avoir la copine pour qu'on garde nos armes quand on meurt. On le fera en off, ça. On le fera en off. On vous montrera comment on la rencontre et comment on la sort, et voilà. Made in heaven. On la sort comme Denise, hein. C'est-à-dire rien et zéro. Pour bien plus Denise, zéro. C'est bien. Damn, what I do now? Do all the fucking same, eh? I see it on television, I read it in books, I hear it in music. Do all the same. Fuck this, fuck that. Well, fuck you! Baby, I'm sorry. I gave to you as a woman. No more. From now on, we just business partners, okay? Hey, if that's how you want it, but I mean, you breaking my heart. I'm warning you. I'm in a really bad fucking mood. Today? I kill everybody who fucks with me. Especially you. Move! Et on continue dans la soumission, la et folie, CJ qui comprend rien. Pour la peine, un coup de pelle. Voilà. Comme avant chaque mission, ça motive apparemment. Allez, viens, ta Buffalo de merde, ça fait la 8ème que je vais plier. Tu vois, un peu. On est associé que pour le business. Allez, c'est parti. Sale connasse là, vas-y, viens. Tu vois, un peu là. Et où? Eh, rage. Arrache sec, hein. Ah, ça arrache sec, hein. Allez, vas-y, y'en a que le business. Je mets du radio, c'est fini. Il reste plus qu'un. Donc, c'est dans un village lointain, c'est vers là-bas. Donc, c'est vraiment parce que c'est tout petit village de campagne. Ouais, c'est les petits villages de Los Santos, hein. Exactement, ouais. Allez, waouh. Flic. Oh putain. Oh, c'était joli. Bon, faudrait pas que la voiture explose parce que s'il y a Catalina, ça fail et tout. Ouais, c'est ça, ouais. On est mort. Ah mais j'aime beaucoup la conduire parce qu'elle est vraiment folle, en tout cas elle est vraiment nerveuse, puissante. Donc peut-être qu'on la prendra pour la course. Peut-être, ouais. On hésite entre ça et le vélo. Je sais pas si vous, j'aille à Transformers Ouais, la tunée. La tunée. Transformer, ouais. Aïe. Hop là. Voilà. C'est bon. Attention, l'eau. Il y a l'eau ici, je me disais aussi il y a de l'eau. Voilà. Les deux roues avec la Buffalo, quoi. Donc dans ce quartier, je ne sais pas ce qu'on va braquer à force, mais... Bon, ça rappelle plus trop, ça revient comme ça à l'esprit, mais on sait plus trop. On va s'en rappeler. Donc quel voilà. Magasin, à droite. Oula. Small Town Bank. Donc la banque, voilà. Banque du village. La classique, quoi. So don't take any shit. Yes, Miss Catalina, miss. Don't even think about doing anything, motherfucker. Hand over every last dollar, now, bitch. I'm going to empty the safe.
keep these idiots covered. Alright, you heard the lady. No heroic shit. Donc là on doit les braquer et regarde, faut faire attention au flic parce qu'il baisse son arme et donc faut le braquer comme ça. Faut jouer avec L2 et R2 et ça comme c'est ça. Un jeu de rythme. Fais comme ça. C'est pas mal hein. Et fait, allez, put your hands up comme ça, c'est parti. Allez, push him up. Boum. Sale connard. Oh, tous, on s'en fout. Je m'en fous là, tous coupables, tous pareils. Voilà. De toute façon, au bout d'un moment, c'est obligé d'arriver. Tu peux pas être éternellement. Waouh. Flic. Tu parles à son pote, le flic. Bien sûr, il parle de beignet. Hein. Histoire de flic, ça parle de beignet quand même. Pour venir. Hein. Donc voilà, ils y vont. Allez. On nous pourchassait. Voilà, rancher de police. Ils sont juste là en fait, c'est ça qui est drôle. Ils sont juste là, effectivement. Hop. Et le crypt, il s'écrase en fait. Et voilà. Ah ouais, on sort sur le côté, il me semble là. Ouais, mais on a pas de buffalo. Ah non. Allez, c'est parti, le braquage a commencé. Bousille le distributeur et pique un max de thunes. Voilà. Encore. Ah, encore, ouais, pardon. Oui, ils ont de la vie, tu sais, comme dans certaines missions. Exactement, on peut viser ça. Là, à gauche, là, il y en a d'autres. Il y en a un autre là, allez. Ils sont indiqués. On les bousille. Encore. Voilà. C'est bon, là. Je m'avance un peu. Boum. Et boum, voilà. Donc, please do not try this at home. Hein. Ouais, ne pétez mais pas les ATM de chez vous, hein, les ATM qui sont des distributeurs. Hein, ouais. Exactement. Hop, donc là, c'est les mecs en haut, là, c'est. Ah, mais voilà, c'est l'endroit où tu étais bloqué tout à l'heure par les cartons, tu vois. Exactement. Bon, CJ, il est cheaté. CJ, il est fou. Bon, CJ, allez, t'as suivi un entraînement, hein, on le sait. Bah oui, putain, chaud. Ah, putain. Fais pas trop le. Non, mais. Il se le truc là, devant moi, là. Hop là. Bien sur le tour. Voilà, magnifique. J'ai fait viser un petit peu au-dessus comme ça avec mon stick droit. Dans le tuto, tu fais comme ça un petit peu là. Ah merde, attends. Voilà. C'est bon. Bon, vous êtes cerné. Heureusement pour nous, Kalatena n'est pas lifeé, genre elle a pas de vie, donc ouais. On est tranquille. Puis c'est pas non plus un ultra manchot. Enfin, un petit peu quand même. Mais bon. Ouais, fais gaffe, parce qu'il y a des choses qu'il faut. Trace. Fais gaffe quand même aux flics qui apparaissent. Voilà, tous les deux au fusil à pompe, on se les fait là. Allez, c'est bien. Allez, j'ai pas relayé, attends, je crois. Allez, pompe, hein. Je crois qu'il va un gilet relayé. C'est vrai ? Ouais. Attends, on va essayer de s'enfuir là. Donc, les flics en motard qui ont le skin du mec de police, le truc, hein. Vas-y, tu les. Et derrière toi, je crois qu'il y a un gilet pare-balles. Regarde juste. Ah mince. Ils veulent pas, hein. Bon, tant pis. Allez, c'est pas grave. Allez. Suivez une vraie femme. Attention, ça va donner. Allez, c'est parti. Ouais, ça commence très bien. Non, mais c'est vrai que ça, c'est pour laisser partir devant. Et en plus, il pleut, je pense que c'est bon. On les tue dans eux. Bah ouais, mais fais gaffe à Catalina qui me. Vas-y, oh, mais déjà lui, il a failé. Il y en a qui a failé. Attention là, redescends un peu la moto. Voilà, c'est bon. C'est bon. Là, c'est bon. Oh putain, les suspensions là. Tu. Doucement. T'as peur de la vitesse, Carl? Non, j'ai peur du mec derrière toi, du policier derrière toi là. C'est con qu'on faille. Faudrait que tu l'attaches au chevalet lui aussi, hein. Ouais, je pense, il aime ça. Allez, arrête de te perdre. Oh putain, ça glisse, c'est tout cool. Bah, sous l'eau, GTA, c'est. Ouais, vas-y, l'étoile. Voilà. Parfait. Oh, holy fuck, lui il a pas habilité en moto, priori. Il débute dans le métier. En même temps, il a pas le skin du motard. Bah oui, le skin du motard, c'est quand t'es expert en conduite moto. Hein, c'est comme dans MOH, t'es quand t'as le skin. Wouah! Oh ouais, chaud. Ah putain, c'est fait exprès. Tire, non? Ils sont démobilisés? Tu joues au chaud là? Ah, moi je joue au chaud moi. Et pourquoi ils sont démobilisés là? Je sais pas, bah tu rentres à la maison tranquille. Hein. Oh non! Pépère, tranquille. Bah, habilité flic, hein. Vite, viens. Bon, y'a personne à deux étoiles. Y'a plus de flics. Je comprends pas là. Oh là, y'a un bug là, moi. Viens. On va pas se perdre, écoutez. Doucement. J'étais pas l'impossible. Y'a souvent pas beaucoup de trucs. Oh, y'a pas de flics. Oh, mais c'est cool. Y'a une mission là. J'avais peur quand il s'est fait péter. Elle s'est vraiment fait péter comme il faut, hein. Bah ouais. Jerry, les flics, comment ils se sont bien fait péter aussi, quoi, chaud. Ils nous attendent à la cabane. Ouais, c'est ça. Ils sont sur le chevalet, quoi. Oh non, je veux pas y retourner. Oh non, putain. Non, ça c'était une mauvaise idée. Elle sait nager, c'est bon. Elle sait nager, allez viens. Putain. Viens là. Ouais, mais sous la pluie, tu peux même pas freiner sous la pluie. Une étoile, c'est bon. Ouais, tu vois, c'est bon, on aura plus d'étoile. Mais sous la pluie, tu peux même pas freiner. Tu peux même pas tester le frein. Ouais, mais il fallait suivre le chemin. Ouais, mais ça aurait été. Non, tu peux monter là. C'est marqué sur le radar, là. Tu peux monter. On va. Ah là on peut là. À droite, là. Là, on peut monter à droite là. Là, et on va retrouver la route, c'est bon, on a plus d'étoile. On a plus qu'une là. Allez, viens là. Là, attends là quand même. Écoutons l'effet déviant sur Catalina. Allez, viens. Non, faut qu'elle reste là en fait. Sinon, on va finir par se noyer. Allez, viens là. Allez, viens. J'essaye. Allez. Oh là là. Allez, Mongol. Oh, le 100 mètres handicapé là. Oh là, chaud. Ça me rappelle un peu les voilà. Jeux voilà. Où un athlète d'une équipe africaine, tu sais, avait été, oui, il arrivait pas, a été premier parce que j'ai été le dernier en finale parce que. Oh non, mais. Hey.
C'est pas vrai. On va pas failer à cause de ça. Sot. Non mais décale-toi, t'es. En fait, elle te suit, donc faut la décaler comme un chien, tu vois. Faut l'amener ici, là. Allez, viens, petit. Voilà. Ça y est. Tu vois, faut l'amener comme ça. Doucement, doucement, doucement. Elle pipe rien, la pauvre. Allez. Elle est là ou pas? Mais non, faut l'attendre, hein. Tu vas trop vite pour elle. C'est pire que Sven, hein. Sven à côté de la classe, hein. Excusez-moi du peu. Allez. Viens, on va trouver une bagnole, sinon je te fais apparaître un caddie de golf, moi, tu vois, là. Et plus d'étoiles du tout, voilà. Plus de voiture, plus d'étoiles, hein. Il n'y a même pas de bruit, il y a des bruits d'avion, je crois. Bon, tu te rentres à pied, tant pis, merde. Allez, viens là, bitch. Rentre chez toi. Non, mais faut l'attendre. Il y a un truc derrière au fond là. Faut l'attendre, c'est ça qui est pénible. C'est un tracteur au fond, ouais, bon, on s'en fout. Ouais. Allez, viens. Viens. Pff, mais en même temps, elle court avec un fusil, donc c'est pas courir avec un fusil. Bon, je pense que du coup, ce sera la dernière mission avec elle, hein, je pense. Ouais. Normalement, on pourra aller sauvegarder et commencer peut-être la course ou je sais pas, si tu veux faire des conneries, camionneur. Oui, on peut aller regarder un peu les camionneurs si vous voulez. On va aller faire une mission de camionneur. Pour ceux qui n'ont jamais vu, comme on vous avait montré, un arbre. On peut regarder à quoi ça ressemble, c'est pas très dur. Hein, non, on va vous montrer ce que c'est camionneur, effectivement. Allez, hop. Après, là. C'est une mission toujours pour faire 100%, quoi, c'est tout. Oui, voilà. C'est pas une activité exceptionnellement intéressante au camionneur, mais c'est marrant parce que faut faire des livraisons, donc du coup, on a une conduite spéciale avec Il y avait que Driver qui avait proposé des conduites en camion, et là, il y a GTA et ça qui s'est mis aussi, donc c'est pas mal. Elle arrive, ça y est, elle arrive. Elle a une espèce de sauvage. Eh ben, non, elle est pas très forte en course, hein. There you go. Thanks. One day, Carl Johnson, you will realize. She truly loved me, and your heart will break in two. But you are more like the spiny lizard than a man. Goodbye. Vous avez vu que CJ la regarde même pas. Ah, c'est il est snob, hein. Un vrai bâtard. Il lui tourne le dos pendant qu'elle lui parle. Il en a rien à foutre. Là, on sauvegarde, on prend sa Buffalo, c'est terminé. Et on se barre. On se barre, on se casse. Plus jamais ça. Bon, finalement, c'était pas si dur que ça avec Catalina. Toujours voilà. les petites frayeurs d'antan. Ouais, c'est ça, exactement. Non, on vend pas ça. Voilà, j'ai un peu failli pour la moto, mais en tout cas, bon, sinon ça va, c'était pas trop elle mal. Elle est pas morte, on a pas échoué. Non, elle est pas morte, donc c'est bon, c'est une réussite. Le principal, c'est ça. Voilà, donc on va retourner au camionneur, je prends la route à droite et on va aller voir les camionneurs, faire une mission. On a pas encore fait trop de conneries dans cette vidéo, donc même si les missions, en vrai, voilà, c'est intéressant aussi, tout à fait quoi. Hop là! Bitch! Je pas, après bientôt, on sera bientôt à San Siro. Mais j'aime beaucoup la campagne, c'est vraiment intéressant. Et là, il y a un ciel étoilé d'OVNI, ouais, ça descend partout. Là, on voit qu'il y a fusée là. Incroyable ça. C'est où il est le remorqueur? Au fond là-bas, ouais, c'est plutôt vers San Siro. Allez, on va y aller doucement. Hop là, c'est beau tout ça. La bonne sensation de vitesse. Là, regardez ça. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Allez, dégage ta wayfarer de merde là. Et oula, il se fait écraser. On aime bien se prendre les petits chemins de terre, vous voyez, le long du fleuve là, en quad ou comme ça. On aime bien, il y a toujours un risque de tomber, mais bon. C'est le principe aussi qu'on joue comme ça. Attends, on met du KU de stop là. Hop là. Attends, on n'y est pas loin, je crois. Ouais, c'est là-bas. Va au open spray là pour la réparer, non? Tu veux la garder? Oh, on s'en fout. Allez, je changerai, on s'en fiche un peu. Hein. Heroes pour ce qu'il y a en ce moment à la radio. Ouais non. Je sais pas si on va écouter ça alors. C'est ultra kitsch. C'est ça qui est bon. Allez tiens. Au tournant comme ça je fais tout péter. Je prends ça. C'est la révolution. Vive la révolution quoi. Les hot dogs. Allez c'est parti. Voilà la musique. C'est vraiment trop bon ce. CJ qui se reconvertit avec ce véhicule. Juste écoute quoi, tu vois. CJ voilà. CJ il a craqué parce qu'il supportait plus de faire. Chocho, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire la course, c'est parti là. Oh putain. Chaud. Allez, viens, viens, viens. Faire des courses à camion et là, regarde. Il percute. Mais même pas. Oh là là. C'est un petit joueur quoi. Oh là 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 là. Je vais voir les camionneurs moi. C'est n'importe. Ah, il a un. C'est comme s'il était dessiné avec sa bouche là, tu sais, la grille. Il est pas content. Il est pas content, il fait un smell et pap du tout. Ah, faut pas tomber dans ces endroits là. Hein. Tu nages longtemps. Comme ça, là, c'est la voie ferrée ici, tu vois. Et tu peux faire ici, tu peux hop, faire. Tiens. Voilà. Le mini bar de la SNCF sera rempli comme ça. On peut attendre le train aussi, tiens, on peut essayer de le pécho. Non, mais pas là, genre tout à l'heure, tu sais, là on va faire les camions. Donc, je regarde si c'est un avion un petit peu. Alors, on va faire une mission de camionneur. Je ne garantis pas la réussite, je sais pas s'il y a la police, non? Il y a du temps, je crois. Bien sûr, il y a de tout. Il y a la police. Au début, il y a pas la police, je crois, il y a les dernières missions, il y a la police. C'est progressif. Ouais, il y a pas un truc derrière là. Je sais qu'il y a il y a 10 niveaux, un truc comme ça. En tout cas, on en fait une ou deux, après on arrêtera. Oui. C'est pour montrer le principe, hein. Tac, tac, tac. Hop là. Trucking. Trucking. Yeah, bitch. Donc ouais, ils vont dire genre on fait la livraison, on mène là ici. Donc là on a un beau thune. Donc alors.
Donc faut livrer avant l'heure. Et donc la thune, c'est quoi? C'est l'argent que tu gagnes. Donc si on est en retard, on perd la thune. Et sinon, si on percute, on en perd aussi peut-être. On va voir. Donc, en tout cas, c'est si, ouais, c'est. T'as 2 minutes pour aller à la livraison. Regarde sur la carte où c'est. On va regarder où c'est là-bas, je crois. Alors, il faut tourner à droite. Et suivre c'est là-bas. Bon. Okay, bon, c'est bon. Oh putain, le. Ça passe. Ça passe. Donc en vrai, quand ils font ça, c'est, ils se font virer. Tu fais ça. Moi j'aime bien quand on a. J'ai bien aimé ces missions de genre. Ben, oui, c'est vrai. Pas une passion, une révélation de faire des camionneurs, mais. Tu peux l'avouer en entre nous, tu peux l'avouer. Que, mais c'est vrai que je trouve que c'était original dans ce GTA de proposer voilà, des missions. Parce qu'on a toujours une mission de voler des voitures, une voiture de voler, tout même ça. De tuer partout. Et là, on a la mission. Voilà, là, pas mal de mission de conduite, effectivement, des mini-activités de conduite. Mais c'est vrai que voilà, il y a les listes, il y a tout ça. Il y a des listes, hein, notamment. C'est par rapport à la grue, je crois, sur les docks. Exactement, c'est ça. Oui. Et c'est. Ça change selon le jour parce que. Non, c'est le prochain. Oui. Mine de rien, le jour auquel on est, il y a une immense influence dans GTA. Et ça. Hop, parce que faites L1 et à chaque fois il y a des courses le jour. Voilà, donc voilà. C'était pas dur, ah, mais j'ai réussi. Prends-le. On fout en l'air. Ça m'a sorti. Voilà, donc maintenant j'ai. Ah, ben non. Ouais, genre, réservoir. Je vais tout saboter, je m'en fous là. J'ai pas des grenades. J'ai même plus de sachets. Ah, si, j'ai des sachets. Bon, on va s'amuser des sachets. Non, regardez, on va s'amuser en ville. Là, on va aller. Enfin, un deuxième peut-être. Allez. On va faire un deuxième. On va faire un deuxième parce que ça m'a plu. Là, c'était tranquille. Ça m'a plu. Toujours le noob skin hein, qui fait n'importe quoi. Là, il a un camion maintenant. Le noob skin qui abandonne son camion. Quoi, je vais laisser péter par le camion derrière, mais n'importe quoi. Et là, il garde son camion comme ça, mais c'est un vrai noob skin. Mais. Non, faut dire qu'il est skidé le mec. Regarde, il savait il a bien qu'il allait ici, garer hein. Chaud quand même. Sur le côté quoi. En tombant. Et. En tombant, il savait que ça allait venir là, mais que police, mais j'ai rien à foutre de la police là. Vas-y, la police, viens. Putain, il y a le Hiki qui voulait se battre. Il m'a dit, qu'est-ce que t'as fait, mon rancher là? Celui de ma mère, enfin ma soeur mère quoi. Enfin, moi je promets, je fais une promesse là, j'en suis sûr qu'on va trouver le Hiki. On va le trouver. Garanti, satisfait ou remboursé chez Chaman, le Hiki sera trouvé. Même si c'est du montage avec Red Dead, ça sera trouvé. Oh putain, la glissière de sécurité, tu vas la manger là. C'est vrai que quand elle est là, dans la première saison, on avait fait des petites vidéos comme ça, on s'était amusé à faire des petites histoires. On avait mis en scène avec CJ, avec GTA et ça, dire ouais, le Yeti on l'a trouvé tout. C'est cool, hein. Dans Undead Nightmare, il y avait une espèce de vieux. Et Yeti. le trophée, hein, que vous venez de chercher, Karl. Hein. Putain, ouais, magnifique. Gros clin d'œil, énorme quoi. Pour nous, des immenses fans de Rockstar. Mais les gars, je veux la peau. Oh là là, ce que je t'ai mis. Oh, je l'ai clashé quoi. Il est toujours là. Hein. Et tu penses que ça commence si je fais ça? Bah, je pense que j'aurai la police après. Ouais. Au revoir. Hein. Si j'ai la police, je m'en vais, j'abandonne ma mission. De toute façon, on commence pas dans le camion, donc c'est bon. Donc voilà, il est là. Donc, tant que je monte pas, en fait, ça donne pas d'heure, je crois. Donc c'est bon. Tranquille maintenant. Et il me semble que quand on finit mission, on a un truc, je crois, une tenue de camionneur ou des choses à l'arrière, des munitions, un truc comme ça, je crois. Ouais, je sais pas. Je sais plus. Bon, regarde aussi sur la carte. En tout cas, c'est magnifique. Regardez là, c'est magnifique. Là. Ah, donc voilà, cette fois, vous avez vu, c'est plus du temps, c'est des dégâts en fait. Donc on va se faire rattraper peut-être alors. Donc là, il est beaucoup plus loin. Donc je pense que je vais contourner en fait. Là, et Carrefour est là. Là. Voilà. Ou alors sinon on peut prendre les petites routes. C'est-à-dire là, à droite, là. Tout droit, ouais. Et non pas à droite mais là au fond. Ok. Attends, alors, et ça nous fait travailler. Regarde, j'aurais pu enregistrer faire le Elena, ouais c'est bon, je sais où c'est. À droite, puis voilà. Donc c'est progressif. Et après t'auras les deux, t'auras le temps, les dégâts et les flics. C'est ça. Oh putain. C'est bon. En tout cas, il est très joli cette remorque avec le truc à l'arrière. Elle est vraiment très très grosse, très très longue. Donc je vais essayer de tourner là. Pour tourner, il faut faire vraiment les gros virages de port comme ça là. Hop, tu commences comme ça là. Bah, le problème c'est que tu prévois bien le virage, mais c'est que si t'as camion qui arrive en face. Il y a un gamin, on s'en fout des dégâts après tout. Hein, on s'en fout. Allez, le mec il double dans les montées quoi. Dans les virages, il double. C'est du jamais vu quoi, c'est beau. Ouais, c'est chaud quoi. Klaxon. Allez, klaxon, Roger le routier là. Donc voilà, CJ, hein, c'est au service des gens, au service de transport en commun. Normalement, c'est à gauche. Hein. Du bon K-Rose, ça fait plaisir. Ah, mais voilà, quand t'écoutes K-Rose à la campagne, c'est un combo, tu vois, t'es obligé en fait. Hein. Bah oui, c'est de toute façon, il y a tellement de bonnes radios dans ce jeu. Oh merde, une moto. Oui. On s'en fout. Mais t'as perdu 75$. Oh putain, non. Ça, c'est vraiment le truc très très chiant en GTA. Chiant, c'est les camions là. C'est un peu comme les trottoirs comme driver. Ça quoi, passe dessous et la remorque s'envole. Elle fait des tonneaux, elle fait FIFA quoi. Elle fait n'importe quoi. C'est pas pour 1500$ qu'on on s'en fout. On s'en fout complètement. On ira, sinon, on retourne à. Ah ouais, on va tuer des dealers avec des sachets explosifs à la fin, tiens. Allez, ouais, allez. On va retourner à le mec ultra hardcore, il pose du C4 ouais, mais sur les gens quoi. D'abord,
Laisse-moi prendre la manette et on ira à l'aéroport de SF. Je veux prendre mon avion. D'accord, d'accord. Tu l'auras ton avion. Parce qu'il y a un avion SF. Vous avez compris que l'émission s'est terminée, hein, mais bien évidemment pour la prochaine vidéo. Si on peut tenter la course, là, on fera la course à la fin. À la fin ? On a encore du temps là ? Ouais. Non, on commencera la vidéo avec une course. Voilà, comme ça, bien de refaire la vidéo à chaque fois. Fake, pas de problème. Vous aurez la vidéo en muté. Ah oui, bien sûr. Allez, c'est parti, je me fais une camion tarie, j'ai rien à foutre. Je me fais. Mais si j'ai rien à voir, c'est comme pour les pizzas. Ah, la route, c'est où ? C'est bien là ? Oui. Voilà. Magnifique musique. One step back, ouais, two step back. Yeah! Two step back, c'est trop bien ça! Le country ça! Écoutez ça, regarde, on écoute! Bien ton fail! Putain! Fais chier là! Bitch! Allez, c'est bon, t'as gagné, t'as un sachet, t'as gagné! Allez, t'as gagné, t'as un sachet! Tiens, allez, c'est parti! Cassez-vous! Voilà, il pète au milieu comme ça! Il va re-exploser! Tout pète, la remorque ne pète jamais. Et alors, Didiou, il est solde ou pas là? Bitch, allez, chien, tu gagnes. Voilà, je suis chien chaud bouillant, je suis chaud dans la vie, moi. Mais les flics, je leur fais des sachets s'ils ont un problème, les flics là. Oh putain, j'ai chaud, j'ai Tu leur as fait peur, ils ont vu que c'était là, ils sont partis, J'ai montré ma moustache, j'ai fait. Ah là, ouais, c'est bon. Ils sont partis, quoi. Non, je leur jette pas ça, c'est trop dangereux. Rien, y'a pas de flicard ici. Ils ont eu peur de toi, je t'ai dit. C'est chez moi. On fait quoi alors, du coup? Bah on va à l'aéroport. Allez, on va à l'aéroport, allez c'est parti. On va finir cette partie 10. On va à l'aéroport, je prends l'avion, j'atterris comme la fois Non, je dis pas mal, on a un parachute. Ouais mais j'atterris quand même. Mais qu'est-ce que tu fais qu'est-ce toi fait, tu te nourris ça. Ça t'a pas suffi la dernière fois le coup de 12. Et voilà, t'as joué, t'as perdu quoi, je suis désolé. Allez, on va à l'est, hop là, à l'ouest plutôt. Mais mets un repère sinon. Non, je sais où c'est. Moi, ouais, c'est bon. CJ, allez, ça, les sentiers battus ne font pas peur à CJ. Allez, les membres de la CNI qui. Oh mon dieu, mais qui fuient la police en temps de vélo. Un peu comme. N'importe quoi. Boulamar avec sa mobilette. C'est ça, c'est exactement ça. Regardez, il est. Allez. On a dit qu'il fallait faire grossir aussi. Hein. Ouais, on va faire grossir. Mais le prochain épisode, il sera obèse. Hein. Ah oui. Il sera obèse, il sera dans la voiture, fera le gros comme ça. Il fera le gros, il sera roulant sur les jantes, hein, déjanté, on l'avait dit, t'en as trois. Il roulait sur les jantes, hein. C'est moi ou on est à Los Santos là? On est à Los Santos. Ok, d'accord. On y sera. On est hyper loin en fait de l'aéroport. Ah, c'est pas grave, on y arrivera, ok, hein. On s'en fiche, on fera du dur comme ça. Ouais, bien évidemment. Je vais bouffer une pizza. 10 pizzas en fait. Oh putain, mais regardez ça. C'est un CJ fou quoi. Non, mais comme toujours ça, on a fait les 4 3 cages, c'est bien, tu vois. Oui, on a fait ce qu'on voulait faire. De toute façon, on a notre petit quota comme ça de vidéos. Ouh, on a tout l'été aussi. Garé. Les vidéos là sont là tous les 3 jours. Bien évidemment. Ça va. Le mec qui rentre à Pizza Stack avec une pelle. Ah, mais peut-être qu'il veut les. Il veut les mettre au four à pain comme ça, four à pizza. Hey, pousse-toi, c'est moi qui m'en occupe. C'est moi le stagiaire aujourd'hui. Aujourd'hui c'est mon tour. Quoi, ma pelle, il y a de la terre dessus. Alors, Du sang, oui. Il y aura bientôt ta tête. Il mange toujours des pizzas cramées. Bah, t'as vu comment ça fume derrière. Je pense que voilà. Allez, on va s'en prendre 10 et pas des salades, petit. J'ai une tête à manger de la salade? Je crois pas, non. Moi, j'applique la réplique de Wendy's parce que les old fashion burgers, il n'y avait pas de la salade. Allez, 3, 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce qui me fait peur, moi? 8, 9 et 10. On est champion du monde de l'agresseur. Ta-la-la-la-la, c'est parti, CJ va grossir. Là, il est énorme. CJ, il va grossir. Allez, là. Arrête, vous voulez que tu te maries avec sa fille, regarde. Putain, je vois le bug. Oh là là, c'est du Cristiano Ronaldo au niveau de la plongée, quoi. Tu sais, c'est... Allez, ah, faut payer une pizza, merci. Voilà. C'est bon, ouais. Pourquoi ils font tout ça comme ça, là? Ils jouent à... Jacques Adi. Voilà, tous à terre. Allez, à terre. Bitch. Bon, on se casse. Les pizzas n'étaient pas bonnes. Et là, il va être un peu gros là. Là, c'est un vrai mola homard. Ça cherche pendant 10 secondes là. Ouais, tu vois, on va trouver de meubler. Puis ouais, ressortir le skin du gros CJ. Et là, il a fait tomber la chemise. Il a plus que le blanc de la veste de combat. Ah, il a enlevé le vert là. Il a enlevé les boutons, les chemises et tout là. Ou alors le blanc. Ça va être sa veste ouverte sans t-shirt. Vous allez voir que le blanc a grossi parce qu'en fait, il y a plus de blanc en fait. Il a étiré. Oh putain quoi, regardez ça. Oh chaud quoi. Oh le 12. Oh je l'ai marre là. Vas-y vite, je vais arriver. Oh putain. Oh putain. Oh putain, ça y est. Allez, du vélo. On va là-bas. Allez, oh putain, il roule sur les jantes. Oh, ça comme il est très lent. Ah mais j'adore parce qu'en deux repas, le parti, le mec, il est obèse hein. Il est énorme. Essaye de faire un bunny jump dans le box de la du Bolton là pour essayer de pas faire. Voilà. Et tu fais pas de vélo, tu te fais transporter. Ah oh, c'est bon ça. On recommence. Attends. T'as pris un peu d'élan.
Des transports en commun gratos, hein. Chaud, attends. Mais attention, ouais, bah quoi, attention. Attention. Mais qu'est-ce qu'il freine ce con là? T'as pas assez de vitesse, quoi. Allez, plus vite. Mais ça marchait, les morts, il joue chaud là. Ah, merde, j'ai fait l'un, ça fait ça. Allez, aéroport à droite. SF. Je sais pas si c'est pas possible par droite, sinon on traverse par l'eau comme ça. Allez, toi, on y va là. Oh, j'ai doublé là. Oh, je l'ai laissé sur place. Oh putain, il y a Contador là. Oh, reviens. Je sais pas comment il est chaud. Il va où? Ouais, non, mais c'est. Ouais, il tend la jambe aussi. C'est le meilleur, lui. Allez. Tire dessus un peu pour qu'on le provoque. J'ai tiré. Ça se voit, il pédale à mort. Allez, on fait la course, les gars. Attendez. Allez, les gars, on fait la course. Allez! Il y a encore le débarquement. Oh putain, il est où? Il continue, toi! C'est mon crew! Yeah! C'est le nouveau CG crew, bitch! Il a abandonné. Il y a que Gollum qui est là, quoi! C'est ça! Il pédale à fond, quoi! Regarde ça! Il est chaud, Gollum! Limite, il fait ça et tout, tu sais! Il fait des bunny jump là! Allez! Parce que Gollum, il va gagner, hein! Allez, Gollum! Gollum! Traverse toi, non? Ah non, je respecte tout là! Allez, c'est parti, ça monte là! Ça respecte! Je fais rien! Mais. À gauche là, vas-y! Parole de Mola Omar, je respecte! Hop là, j'inspecte tes trésors, gitane! Allez, départ arrêté! C'est bon! Faites ça en vrai, pas toujours ça marche. On va y arriver ou pas à San Siro, ouais. Oui, on va y arriver. On va y arriver. En tout cas, faut monter, hein. Enfin, c'est en face, on le voit là. Faut le voler, hein, pour aller à l'aéroport. Hein. Ah merde, c'est vrai. Comment t'as fait pour y aller? Faut sauter par-dessus. Hein. En avion, voilà, monsieur, En avion, ouais. Avec l'aéroport de Los Santos, j'ai pris le dodo et je suis allé à l'aéroport. Ça marche que les portes sont fermées, donc on peut y aller en sautant. Oui, en sautant. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Sinon, on y allait comme ça à droite là. On peut y aller. Putain, il va comme ça à droite. Ouais. On tente. Il y a des échelles. Allez, tentative mob. Allez, c'est parti. Hop là. Mais il est gros, si tu y arriveras pas. Hein. Non, mais il me faut une voiture. Non, je sais, mais la voiture, il va être trop lourd. Il faut que je passe le saut là. Vous avez vu, vers là, il y a pas beaucoup d'eau, donc au pire, c'est pas là, il y a une échelle de l'autre côté, je connais. Allez, on va essayer de faire ça. Avec la green sable. La green sable, quoi. Allez, on va faire comme ça, tout droit là. On va tout voler, tout baiser, comme dirait CJ. Voilà, ce gros tas là, bitch. Non, allez. Je suis content d'avoir retrouvé notre gros TJ, c'est le principal. C'est le meilleur, hein. C'est quand même le meilleur. Charismatique. Effectivement, ça marchera pas. T'as vu comment on va vite. Pas de vitesse, quoi. Voilà, 25$, de quoi acheter quelques pizzas. Allez. C'est vraiment le gros fake. À gauche. C'est là au bout, il y a un truc aussi. Ah oui, c'est vrai. Il y a vraiment, il me semble qu'au bout, il y a un truc, hein. Voilà, donc ça c'est les idées de CJ. T'es. Oh, ça passe. Comme la dernière fois, le pont, t'es. Ça passe pas du tout, mec. T'es trop con, quoi. Mais c'est pas grave, on s'en fout, allez, on continue là, vas-y. Ouais, j'espère qu'il y a une échelle derrière, sinon on va faire tout le tour. Non, sinon on arrêtera là. Oh, j'ai la pelle. Je mets un coup de pelle dans l'eau, je m'assomme et je meurs, quoi. Non, il y a des cailloux pour monter, hein, ça au bout là-bas. Ah, il y a un truc aussi là. Ah, mais c'est bon, il y a une barge. Ah, mais c'est là que ça passait peut-être mieux. Tu crois? Tu vois, là, c'est dans l'angle coup, là. L'angle, ouais. Le coin là. Mais fais une voiture avec un. Ouais, oui, il faut une nitro, il faut une cheetah. Le mec fait ça avec une sabre, il va à 50 à l'heure, t'es. Et ah, il y a une échelle! Merde, on monte pas aux échelles dans ce jeu, putain, c'est vrai. Ah bon? Mais non. Mais mytho, on monte. Bah non, on monte pas aux échelles dans ce jeu. Hein. Clac. T'es sûr? Regardez. Ah, tu penses? Bah, s'il y en a, c'est pour monter, triangle. Non, on monte pas aux échelles. C'est dans GTA 4 qu'on monte aux échelles. Hop. Mais c'est bidon alors? Oui, c'est bidon, ouais. Hop là. Ah bon? Oh, non, on monte pas aux échelles dans GTA. Bah, ça sert à quoi alors? Alors là, t'es bonne sûr? Non, on monte pas aux échelles, hein. Je le sais, ouais, je me rappelle. Ah, là, t'as tout testé? Ouais, j'ai tout testé. Ouais. Attends, là, normalement, il y a des cailloux, c'est un peu caillouteux, comme ça, on peut s'échouer ici, là, voilà. Voilà les bonnes idées de CJ. Hop là! Et non, mais. Très bonnes idées de CJ, hein. Allez, CJ, mais. Il fait comme Catalina, allez. Il mongolise là, il fait n'importe quoi. Tout ça parce que ça fait pas de ça, parce qu'il y a un mètre de truc. Voilà, bravo! Elle est en retard à l'école, allez! Donc voilà, magnifique aéroport de San Siro qu'on vous montre. On n'a même pas montré celui de LS, hein, quand même. On est honteux, quand même, on est scandaleux. On a montré très beau. Donc le Golden Gate et le Golden Gate, effectivement, elle a vu que traverse le Golden Gate. Et donc voilà, les nouveaux mecs, les nouveaux skins, hein. Ouais. Les contrôleurs. On n'a même pas montré celui de LS Los Santos, on est assez scandaleux. Bon, on le montrera tout à l'heure. On les montrera en chamal, en fait. Dans 3 jours, on fera la vidéo là, on vous montrera, on ira à Los Santos foutre le bordel et récupérer quelques deals. Alors, comment on y va par là? Il y a un bug, je crois qu'il faut. Oui, bien sûr, faut sauter par-dessus là, il y a un truc là. Bonne question, merci de me l'avoir posé. Par là, je crois, tout comme ça. Pas écouté du KJ West, c'est bon, arrêtez. Tout roule à contresens un peu, tu sais, comme Benjamin Castaldi. Mec, c'est y a pas compris. Énorme! J'étais le seul à rouler dans ce sens. Là, les gens ils roulaient tous en contresens, quoi. Alors que de l'autre côté, ils roulaient. Et on peut acheter un billet, je crois. Pour Los Santos? On peut acheter un billet, effectivement, pour Los Santos. Et on arrive où, l'aéroport de Los Santos? Oui, le terminal qui est à côté de la tour avec des plantes et tout ça.
Mais moi je veux essayer de aller sur des pistes. Attends, non c'est pas, c'est par dehors alors, c'est par dehors. Tout le monde roule à contre-sens, c'est énorme hein. ils ont rien compris les gars quoi, chaud. Putain, c'est pas dans ce sens qu'il faut rouler. Putain hein. Trou du cul de ta mère là. Il y a un saut à faire là quelque part. Ah c'est là voilà. Donc là il veut pas qu'on entre, c'est ça. Voilà c'est ça. C'est comme ça qu'on fait. Parce qu'il dit qu'on peut pas. Mais tu dis attends, je suis sûr je peux. Voilà. Et le mec en fait on la screw comme ça. Voilà. Bon enfin on va aller jusqu'aux pistes maintenant, faut marcher jusqu'aux pistes. Là-bas. Allez, c'est vraiment le CJ, c'est une sorte de. Ah mais là il est gros. Sam hein. Fisher du pauvre, tu sais, là il fait de l'infiltration mais fake, il arrive pas. Bah si sur les terres. Ouais mais regarde ça, les terres d'Afghan, ils ont mais appris. Hein. Le mec l'a vu hein, il m'a vu monter mais il s'en fout. Donc voilà, là il y a un rustler aussi avant la seconde guerre mondiale qui tire. Hein. Ouais. Une sorte de. Il y a beaucoup d'avions. Alors après il faut voir s'ils sont, ils ont pop ou pas. On va voir. On va se promener avec ça déjà, parce que CJ, il veut entretenir son corps de graisse, son corps de rêve. Donc il faut quand même rouler hein. Bon il y est pas. Voilà. Normalement il est là. Il y en a dans les hangars. Il y a un hélicoptère ici normalement. Là-bas au fond le Maverick. Et là il y a les hangars. Il y a un chamal. Là il y a un dodo et un rustler. Ok. Et après il y a un chamal normalement. Et un dodo encore. Bon s'il y est pas on fait un tour. Attends je veux le chamal moi donc. Non moi je veux l'autre. Je veux lequel? Ah le gros. Oui là. le gros. Je sais plus comment il s'appelle mais c'est sûr on rentre à l'arrière pour faire les parachutistes en fait. Ah. Là exactement. Allez, on vous montre un petit peu ça, c'est que c'est un peu une mini, pas du spoil, mais voilà, pour ce qui vous attendra quand on sera à Sanfiro, hein. Mais bon, comme on a débloqué le combat de Sanfiro, on a débloqué Sanfiro aussi, donc on se permet d'y aller, hein, voilà, tranquillement, donc là. Ah bah, c'est parfait. Oh, ça. Il est joli celui-là. Ouais, prends-le. Allez. On va aller débarquer. Il y a plein d'avions en fait, j'avais oublié. On va débarquer avec. Je vais sauter, je crois. Ah, mais bien sûr. Parce que moi, atterrir. Non, t'as pas le droit de me faire ça. Ah putain. Le dodo au moins alors? Que le dodo? Non, mon dodo, c'est pourri. Continue, fais le tour, il y aura. On va faire le tour. Le chamal est ouvert. On va jusqu'à la tour. Le chamal est ouvert normalement. On fait comme ça pour le faire pop peut-être. Ah, c'est abusé là. C'est abusé. Ouais, parce que je me rappelle que cela, effectivement, il faut avoir le permis pour y aller, donc c'est nul quoi. Et attends, mais il y a un truc. Moi, il y a un hélicoptère là aussi. Derrière. Bon. Voilà, donc voilà, il y a des gros hélicoptères là. Oui, parce que cet hélicoptère est monté là. Ouais, et puis. Donc ouais, c'est ouvert pour ressortir, mais ça. It's trap! Parce que tu peux revenir après. C'est un gros piège. C'est énorme. Bon, on vous montre le contenu de l'aéroport. Hein. Il y a pas mal de choses, c'est bien. On va acheter le chamal ici, là. Voilà, le chameau. Allez, on prend lui. Hein. Parce que tu voulais l'autre, mais il est fermé aussi, l'autre. C'est sûr qu'il sera fermé, ce qui est là. Il sera fermé, forcément. Bah, avance, tranquille. Non, mais on y va en chamal, alors. Donc, le chamal. Non, attends, c'est pas possible. Attends, le Santos, on a récupéré tous les avions. Je suis dégoûté. Bon, mais finalement, je suis sûr que les hélicoptères sont fermés aussi. Même le dodo est fermé, tout est fermé. Tout à l'heure, j'y suis allé. Allez, t'as reconnu. J'ai récupéré le Maverick, c'est que. Ah, mais voilà, vite, prends-le lui. Lui, oh putain, oh putain, ça. Lui, oh, c'est lui putain. Que je veux. C'est lui qu'on veut, mais lui il est fermé aussi, lui. T'es sûr? Ah, il est fermé, lui. Mais bien sûr qu'il est fermé, on rentre à l'arrière avec lui. On vous les montre, hein. Et voilà, faudra faire des DLC pour les. Faut acheter des clés, les gars, c'est 10€. Non, mais c'est pas possible. Putain, fais chier, quoi. Ah, le gros veut jouer à la Game Boy. Ouais, vas-y, genre. Bon, le chamal là, il est ouvert. Genre, c'est interdit ce que je fais, quoi. Il y a peut-être un chamal sur les 3 qui est ouvert. Oh non, les flics. Tue-le. Il y a la police partout maintenant. Oh mais merde. Comment fait aider sa fin de. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Bon allez, cassez-vous les flics maintenant là. Je vous ai assez vu. Oh, ils arrivent à l'infini là. Bon, hélicoptère là-bas. Bon, il y a un hélicoptère qui arrive maintenant. Tout ça parce que j'ai soi-disant pété un truc quoi. Non mais n'importe quoi. Allez. T'as pu tenter le chamal là, non? Ouais, vite fait. Attends, je fais un tour et je reviens ici pour tenter le chamal. D'abord, on va tenter le truc là-bas. Ah, c'est abusé là. Hein. Ouais, non, mais c'est abusé. Je suis déçu là. Le chemin est fermé. Il y en a un qui est ouvert sur les 3 en fait, je pense. On tente un hélicoptère sinon. Comment se faire choper avec un hélicoptère, c'est sûr là. Regardez ça. Oh, il est fermé. C'est fermé, mais c'est pas. Ouais, franchement, c'est foutage de gueule. Ouais, c'est du foutage de gueule là. Oh putain, j'ai même plus de vie quoi. Je vais crever. C'est honteux, mais où c'est qu'on va s'arrêter, bon, quoi? Tente le Maverick qui est au fond là-bas, s'il est fermé, ouais. On s'arrête là et on prend notre vengeance dans la partie. C'est ça, enfin, on va tous les tuer, vous allez voir. Ouais, c'est ça, je suis déçu là. Je vais tenter ce chamal quand même. C'est tenté. Ah, j'ai tentative nulle que ce chamal, allez. Mais oh putain! Et c'est du foutage de gueule quoi! Et lui il a le 12! Chou, il a le 12, hein. Putain, ils ont le 12. Il rigole pas. Vas-y, laisse-toi carjacker là. Putain, mais dégage. Vas-y, laisse-moi te carjacker là, tranquille. Bon, allez, on s'en va. Prends le Maverick qui est au fond à gauche. Mais il est fermé aussi. Là. Lui là. Et s'il est fermé, c'est-à-dire qu'il y a un bug de l'aéroport. C'est ça. Est-ce que t'as rentré le Uplay Pass? Lui, il est ouvert lui. Non, mais c'est lui que j'ai pris tout à l'heure. Alors, c'est que tu l'as pris. On a commencé la vidéo comme ça. Et là, il est fermé.
Non, c'est, non bon. C'est bon. C'est le seul truc. Il faut avoir le temps. Alors, comment de décoller. Allez, 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 tu peux le faire. Allez, vas-y mon piwi, vas-y mon petit. Allez, 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 allez. Il va me foutre à l'eau ce con. C'était un film. Il tombe à l'eau, tombe à l'eau. Il est tombé, je crois. Ah ouais. Ah oui, il tombe à l'eau. Effectivement, j'ai vu la truc. Allez, hop. Bon, on a réussi. Ouais. Bon, mais va à l'aéroport de Los Santos. Allez. Et genre, on se quitte comme ça. Là, on va se quitter comme ça. On va tous poursuite. Exactement. Ah non, on peut. Que de pas. On peut se battre, on peut mourir. Hein. Tu peux aller à la R51, essayer d'esquiver les. Allez, on y va. Je vais savoir des camps. Je sais pas. On verra en off. On verra. Au pire, garder, ouais. On chargera peut-être. T'as sauvegardé dans la mission. Il me semble qu'on a sauvegardé jusqu'à la dernière mission. Ouais. C'est bon. On a rien fait depuis, on a acheté quoi. Rien. Voilà, zone 51 à la zone. Donc là, c'est le. Il y en a une ici, là en fait. Ça marche aussi. Oui, ça tire ici. Alors l'objectif, c'est de rester le plus longtemps possible. Mais il y a une huître ici, c'était trop chaud à y aller parce que t'avais 6 étoiles et voilà. Faut que j'inspecte les lieux. Voilà, 4 étoiles. Regarde, donc là on vous spoil San Siro. On va voir le Golden Gate. Hein, voilà. Allez, on va aller au San Siro. Alors fais attention parce que maintenant, normalement t'as deux Hydra qui nous poursuivent, qui sont partis depuis la zone 51. Ils vont arriver. Ils vont t'envoyer des missiles tête chercheuse. Et comme, on devrait les voir. Et comme j'ai pas de leurre en fait, ça va être très chaud. Hein. Bah, un hélicoptère, encore. C'est quoi que je tape là depuis tout à l'heure? Je sais pas, du clipping quoi. Donc voilà le Golden Gate. On est de nuit donc c'est San un peu San Fierro. Le va se lever. Magnifique ce Golden Gate à San Fierro hein. Regardez ça, il a Alcatraz dessous. Faut 10 minutes, faut plonger. Ouais, tu plonges, plonge 10 minutes. Tout droit à gauche. Tout droit à gauche, tu faut dessouder ce pilier. Il est magnifique quand même. Ah bon, on peut le montrer ici, il n'y a pas plus haut que. Ouais, que c'est là. Ici, il n'y a pas plus haut. Alors, non, pour, non mais arriver, je vais jamais tomber dessus. Je vais jamais tomber dessus. Mais là, il y a un panneau contre ce truc là. Là. Ça a même pas chargé quoi. Ça a même pas chargé la texture quoi, chaud. Bon, allez. On va aller voir. Ah, mais ils sont là. C'est quoi ça? C'est l'hélicoptère. Bon, allez, moi je me pose à la zone 51. J'ai un ami à récupérer, il m'a dit viens venir. Allez, j'y vais. Dans la brume. Donc là, on va pénétrer sur le territoire de Las Venturas qui est totalement bloqué. Hein. La troisième carte et qu'on a pas le droit d'y aller. Oui, donc c'est la partie, on spoil tout, effectivement. Hein. On se promène. Vous voulez voir de l'action, vous voulez voir du rêve, c'est parti. Donc là on ne voit rien, en fait ça vous spoil rien du tout, c'est très bien parce qu'on est en haut de la deuxième jauge qu'on attaque là. On voit les terres. Voilà, donc c'est plus vers la gauche plutôt là-bas, effectivement. Donc voilà, vous voyez de la verdure, puis tout de suite le désert, hein, le grand désert. Allez, on voit en dessous, on survole là, c'est très très beau quand même. Bah hein. Ouais, en haut là il y a le Sand King là. Ouais, effectivement. Oh putain, il y a déjà des flics. C'est marrant, c'est étonnant. Ils ont là il y a des sauts de la mort qui tuent là, je me rappelle putain. Oui, oui. Il y en a un le long du moulin là, tu sais, avec la grande bande. Ouais. Là c'est là. Comme là. Ah lui, il est chaud. Il est chaud lui. Là. C'est ici parachute là, il saute aussi. Exactement. Allez, la zone 51. Non, après, ouais, juste après là. Ouais, je sais. On va y arriver. Là il y a des magnifiques colonnes là. Ah mais il va être là-bas parce que là ça va être l'aéroport là désaffecté je crois. Ouais c'est ça. Donc elle est là-bas en tout cas. Là c'est l'aéroport désaffecté qu'on achètera, regardez il est ici. Ouais donc là il y aura plein d'avions aussi. Il y aura plein d'avions. Là en fait c'est des vieux avions et on peut aller chercher la T400 aussi. Donc là tu regardes et Ah bah on peut regarder la T400, tu peux regarder la T400. Non mais il sera fermé aussi. Donc voilà l'area 51. Donc là dès que t'arrives en fait il y a des missiles sol-air et il y a les Hydra qui sont déjà chauds les Hydra. Ils sont chauds bouillants. Sur la carte, il y a marqué les tu vois des petits triangles rouges, c'est les missiles qui me jettent. Voilà. Hein. Donc regarde, fais la vue derrière toi. Bah, attends, on le voit là. Ils ont lancé là. Attention, pour esquiver, c'est impossible. Avec l'hélicoptère quoi. Bah, ouais, j'ai esquivé. Allez. Il y en a un deuxième. On sautille. Voilà. Donc je me suis fait tuer par mes hélices en fait. Bien les liquides. Bien le hélikill total fail. Allez voilà. J'espère que vous avez apprécié cette dixième partie. Cette fail à la fin, mais c'est incroyable. Qui a commencé un hélicoptère, qui a fini un hélicoptère. Malheureusement, on n'a pas eu la même réussite. Ah, le même sort. Effectivement, l'hélicoptère m'a coupé. Mais en même temps, j'ai pris le missile en même temps. Donc tout m'a tué en fait. Là, tout m'a tué. Et si j'ai fait, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh putain, fais chier. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui t'arrive toi? Qu'est-ce que tu m'as fait toi là? Allez, on vous dit dans 3 jours pour la deuxième partie. On ira poser quelques sachets par-ci chez nos amis les Toastmasters. Les dealers, effectivement, on commencera comme ça, je pense. Voilà, là on sera la partie 11 la prochaine fois, il me semble. Hein. Ouais. Hop là, allez, voilà, on lui casse sa gueule et on se dit au revoir. Au revoir. J'arrive même pas à lui casser sa gueule. Attends, faut qu'on finit quand même en lui cassant sa gueule. Ah, CJ qui n'a même pas l'air, il veut plus courir. Ça y est. Voilà, merci, au revoir. Au revoir. And you give them all you can give.
save them.